Good morning, allez, Yiden et les Sutra, aujourd'hui, le Nishma Richard Ben Fortuna, Mazal. Claude Yitzhak Ben Fortuna Mazal et Dani Myriam Bat Elisa Sayak. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine vidéo, Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui le dernier Perek de Yoma, Perekret Mishnah Aleph. Yom Akipurim Asur Ba'achila, Obishtia, Oberichitza, Obeneila, Obesika, Obeneila Tassandal, Obetashmish Amita. Ve'amelech ve'akala irchatsu et penehem. On a fini bien sûr avec toute la avodah d'Yom Kippour et les habits du Kohen Gadol à partir dans le dernier périple de Yoma. C'est là où se trouve en fait toute la halakhot dans ce chapitre, toute la halakhot de Yom Kippour, toutes les choses qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire à Yom Kippour, en l'occurrence plus ce qu'on n'a pas le droit de faire. Yom Kippourim, le jour de Yom Kippour, il est interdit par les 5 Inouïm. Vous connaissez bien 5 Inouïm. Allez, on les compte ensemble, regardez. Il interdit Bachila de manger, Bishtia en buvant, Birichitza se laver, Besika se moindre d'huile, Beneila ta sandal, mettre des chaussures et Betashmi Shamita. Les rapports conjugaux. Il s'avère qu'on a 6, et on a dit qu'on n'est que 5, toujours Khamisha Inouim à Yom Kippour. La réponse à ça, c'est très simplement que Achila Ishtia, ça compte comme un. Manger, boire, c'est compté comme une seule. Et donc on a les 5 Inouim, on n'a pas le droit de manger, boire. On n'a pas le droit de se laver, de soindre de l'huile, de porter des chaussures en cuir. Et Tashmi Shamita, les rapports conjugaux avec sa femme, bien évidemment. Ouais. Et Obetashmi Shamita, les rapports conjugaux, même séparer les lits, comme les Rotnida. Ve'amelech, maintenant, précision importante, celui qui transgresse un de ses interdits. Alors, pour Achila Ishtia, celui qui mange ou qui boit Yom Kippour, il transgresse un interdit chez Jbo Karet, Nechaev Karet, le retranchement sur le manger et bu à Yom Kippour. Par contre, pour tous les autres interdits, il n'y a pas d'interdit de Karet. Il y a même une discussion est-ce que c'est interdit, Minatorah ou Rabbanan. C'est une grande marque dans les Rishonim. C'est apporté succinctement dans les Mepharshim, par exemple, Tiferet Israël, j'ai les sous les yeux là, que selon le Rosh, c'est que des Rabbanan, et selon le Ran, c'est Midoraita, mais sinon, il n'y a pas de Karet. D'accord ? La Melech Ve'akala Irchatsu et Penem. C'est nécessaire ça pour comprendre tout de suite la suite de la Mishnah. Regardez. La Melech Ve'akala Irchatsu et Penem. Le roi et la jeune mariée dans les 30 jours auront le droit de se rincer le visage. Ne pas être, s'ils ont les yeux sales quand ils se lèvent, ils pourront se faire un petit peu propre, s'arranger un petit peu. Ils ont le droit de se rincer un peu le visage. Ve'achaya et la femme qui a accouché. Tin Ol et Asandal, si elle a froid. Elle pourra même mettre ses chaussures. D'ivrei Rabbi Eliezer, telle est la vie de Rabbi Eliezer, Vachamim interdisent. Et puis là, cette fois-ci, la halakha elle est fixée comme Rabbi Eliezer, qu'ils ont le droit de, le roi et la kala, ils ont le droit de se rincer le visage, et la femme qui a accouché aura même le droit de se mettre ses chaussures si elle en a besoin, qu'elle a froid et qu'elle veut sentir un peu plus à l'aise. D'où la question des rois. Ils ont le droit de le faire parce que ils ne le font pas pour le plaisir, mais plus parce que c'est des gens qui en ont très besoin pour ne pas paraître mal. Le Melech, les Melech Biofiot et Rezena, il y a un passage qui me dit que c'est important que le Melech se tienne bien, et avec une tenue très respectueuse devant tout le monde, donc il ne peut pas paraître moins que pas ça, pas propre. Et la Kala devant son mari pendant 30 jours, parce que vous imaginez bien que si le mari se dégoûte d'elle, dès le début, dès les premiers jours, ça ne va pas aller. Donc pour 30 jours, on leur a dit. Tu veilles à ne pas à rester bien propre et bien paraître. Et la chaya aussi parce que tu sens mal. D'où la question, pourquoi ça veut dire quoi? S'ils ont besoin de manger, on va leur permettre de manger? Bien sûr que non. Alors pourquoi on a donné ces exceptions? C'est là justement où ça intervient que, selon le Roche, que c'est un interdit, que Midera Ladam Khami, nous en avons interdit. Selon le Ran, il explique que c'est Midoraita, hein, mais c'est une singularité. Il y a quelques interdits de la Torah, hein, que la Torah nous a dit, elle a donné le droit au Khachamim de jouer. En fait, de délimiter l'interdit selon ce que eux comprennent, ce que eux veulent interpréter. Il y a la même chose avec Chol HaMoed, qu'on pense que c'est Midoraita, qu'en fait, la Torah, elle a interdit le principe, mais elle a laissé la possibilité de faire des exceptions selon le cas, et c'est ce qui se passe en réalité ici. D'accord? La halakha est établie comme Rabbi Eliezer, comme ce qu'on a dit, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.